C'est né d'une envie de faire une musique différente, instrumentale. À la base, c'était un groupe de hip-hop où je faisais du vibraphone et j'ai reçu un balafon chromatique, un instrument un petit peu hors du commun, on va dire. Et donc voilà, tout le groupe est né autour de cet instrument. C'est une musique dans laquelle il y a quand même plein de place pour beaucoup d'influence, quoi. On a Joe qui est au platine, qui vient vraiment de la culture hip-hop. Moi, c'est plutôt tout ce qui est rock, jazz, musique autour de la guitare. Voilà, Richard, le nouveau batteur, donc, qui vient de remplacer Benji, lui est plutôt issu des musiques latines. Donc, vraiment, Tribeca, dans la musique de Tribeca, on met tout un tas d'influences. En tout cas, il y a cette envie-là, quoi. Par rapport au fait de justement allier toutes les différentes influences, à aucun moment c'est vraiment calculé. En fait, c'est plutôt Joss qui, à un moment, va dire: bon, bah là, sur ce morceau-là, on est trop dans un son rock, on est trop dans un son hip-hop. Et je pense, enfin, moi, selon moi, c'est ce qui fait un petit peu le son de Tribeca, c'est que justement, il sait dire stop quand on s'engouffre dans une direction musicale qui est vraiment. Lié à un style particulier, quoi. Il faut que ça reste un mix, quoi.